Donc, je m'appelle Dr. Boudra Mohamed, je suis médecin radiologue. Je suis en même temps le président de l'association des conseils communaux du Maroc, du Royaume du Maroc. Aujourd'hui, le congrès des pouvoirs locaux et régionaux au Conseil de l'Europe, ici à Strasbourg, a voté par unanimité le partenariat en démocratie locale avec le Royaume du Maroc. Comme vous savez, le Royaume du Maroc, c'est un État qui a maintenant 12 siècles. Donc, il est formé par 12 régions, 75 provinces et 1500 communes. Donc, des progrès importants ont été réalisés en matière de décentralisation et de régionalisation avancée. C'est pour ça que le Conseil de l'Europe, à travers le Congrès, a estimé important d'avoir un partenaire démocratie locale, le premier en Afrique et du monde arabe. Donc le Maroc donc, pourrait aussi constituer une plateforme importante parce qu'il entreprend une politique très active dans tout le continent de l'Afrique. Et comme on sait maintenant que d'ici quelques années, l'Afrique sera le continent le plus peuplé du monde avec des enjeux importants concernant l'immigration, concernant la diversité culturelle et ce que peut apporter ce continent à notre planète dans la matière de changement climatique, de la préservation de la planète, mais aussi de la préservation des ressources et du développement durable. Nous allons développer des axes de coopération avec le Congrès du Conseil de l'Europe pour faciliter, pour accompagner le travail des maires des différentes communes marocaines, mais aussi pour promouvoir la compréhension, le dialogue sincère entre nos différentes cultures, qui sont en réalité différentes mais complémentaires. Et comme ça, on pourrait participer ensemble en tant qu'acteurs locaux et régionaux qui sont les plus proches des citoyens. Donc, pour entreprendre le développement que les citoyens nous demandent vraiment tous les jours, parce que le maire, c'est ça son rôle, c'est de répondre aux sollicitations des citoyens, et ceci donc, chaque jour dans la ville où il est maire et responsable.